Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Star Wars Jedi Fallen Order avec notre épisode 4. Comme d'habitude, mettez en 2K 60 FPS si vous le pouvez évidemment, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire, à manger. Et on est parti. On avait le choix entre deux planètes. Eh bien, on va voir. Il est temps d'aller voir laquelle on va choisir. Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y en a pas une qui me hype plus que l'autre. On va devoir faire les deux, je suppose. Donc, on va voir. On va voir en face de la map monde celle qui m'inspire le plus. Datomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Datomir ou Zepho, c'est moi qui décide. Nouvelle donnée, plusieurs entrées. Bon, la reconstruction de l'ordre Jedi. De toute façon, on va devoir faire les deux, hein. Zepho, c'était... Je sais pas. Allez, on va prendre la plus belle couleur. Où allons-nous? Très bien. Donc on est ici, hein, vous l'aurez compris. On a Zepho qui est style planète Terre. Et on a Datomir qui est style planète rouge. Eh ben écoutez, j'ai bien envie d'aller dans le style planète Terre, voir un petit peu ce que ça va donner, sachant qu'on a exploré 63% seulement de la planète Bogano, et ici 0% et 0%. Allez, on choisit Zepho. Allez, on y va, faut y aller de toute façon. On n'a pas trop le choix. Hangar désaffecté, très bien, j'adore les hangars en plus, c'est vraiment mon petit truc à moi. Eh ben, très bien, ben, c'est tout choisi pour moi. Vous êtes ici, allez, let's go, voyager, on va rester appuyé sur carré. Zepho, pas de soucis, allons-y. Tu m'as jamais dit comment t'es devenu Jedi. Ah, trop stylé. J'ai été repérée par un éclaireur quand j'étais petite. On m'a emmenée au temple pour me former. Voyage en temps. Ah oui, les éclaireurs. De sacrés numéros, ceux-là, je te le dis. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que c'est, pas vrai? Pas la moindre. Ils éclairent quoi? Eh bien, ce sont des Jedi chargés de trouver des jeunes sensibles à la Force. Comme ceux de cet holocron. J'en faisais partie. Wow, tu sais ce que ça veut dire? Je n'ai pas découvert Cal, si c'est à ça que tu penses. Non, ça veut dire que j'en suis un, moi aussi. C'est possible. Ouais, Grise l'éclaireur. Hé, petit gars, assieds-toi, on y est. Allez, asseyez-vous dans le cockpit pour atterrir. Dis donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hey, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. C'est quand même stylé, hein. En plus de ça, on a l'air de pas mal voyager Cal, dans le jeu. Par ici. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Ok, j'arrive, ma grande. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Zepho, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fascinée par les Zepho et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intriguée par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Très bien. On a quelque chose ici, néanmoins. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, ce truc ? Quoi ? T'avais jamais vu un terrarium avant ? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes ? Eh, hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, y a rien de plus beau.
D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Ok, faut lui trouver des graines, pourquoi pas, les gars. Ça me fait plaisir. Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Non, en effet. Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si je baisse les bras, cela revient à les trahir. Je suis sûre que tu me comprends. Prof, un ami sur Braca. Il s'est sacrifié pour que je survive. Il croyait en toi. Beaucoup de gens comptent sur toi, qu'ils en soient conscients ou non. Cal, tu dois tenir bon. Pour prof. Pour tous les autres. D'accord. Allez, on se casse. Let's go sur une nouvelle planète qui a l'air très sympa, c'est cocasse. Petite montagne, petite neige, ok, j'aime bien ça. La nature, quoi, finalement. J'aime bien, je sais pas quel type d'ennemi on va y trouver. Oh, 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 petit être. Je sais qu'on peut changer la couleur du sabre laser, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire assez rapidement. Alors, qu'est-ce que ça contenait? Nouvelle apparence pour BD1. Oh, bien ça, attendez. Ça, c'est très très bien, ça. Ok, vous savez quoi? On va mettre celui-ci. Allez. Changement de planète. Et vous savez quoi? On va changer aussi le poncho des Kubas. On va changer le poncho. Dès qu'on change de planète, on change. Allez. Un petit poncho. Ouais, parce que là, c'est vrai que... Putain, faut vraiment que je trouve de nouvelles fringues, par contre. Faut vraiment que je trouve de nouvelles fringues. Et là... Non, on va le garder, celui-ci. Allez, let's go. Ah, la porte est verrouillée de l'autre côté. Hop. Et ben voilà, on rentre dans le vaisseau, on change de planète. Ok, qu'est-ce qui se passe, les gars? Tiens, 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 qui voilà-je? Ok, on a une petite route, ici. Oh, entrepôt. Hangar désaffecté. Très bien. On va quand même voir un petit peu plus loin. Ça gêne personne, je suppose. Ok, on a quelque chose. Pas de soucis. Il y a toujours la base même du pont, n'est-ce pas? Oh. Oh, le Stormtrooper, il prend sa part. Fais attention, bébé. Ils ont l'air dangereux. Ok, ça dégage. Bientôt un niveau supplémentaire. N'oubliez pas que quand on meurt à un endroit, on peut récupérer toute l'XP qu'on a eu à l'endroit où on est mort. On a appris ça grâce au boss, hein, que j'ai tant eu de mal. Oh! Heureusement que j'étais protégé, mon pote. Ok, pas de soucis. Eux, on attend qu'ils attaquent. Trois coups, ça dégage. On n'en parle plus. Emballé, c'est pesé. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Ah, tu veux le scanner? Il n'y a pas de soucis, mon pote. Très bien, tu veux scanner aussi lui ou pas? Lui, il est découpé en deux. Pas très utile, je pense. Je tente un truc, hein, je sais pas. Une grotte bien profonde. D'accord, ce côté, c'est fait. Ah, là, on a au-dessus du hangar, on va peut-être voir. Cal, okay. Tu m'entends? Oui. Les Impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Ok, on va pouvoir ouvrir la porte de l'autre côté, très bien. Il y a déjà énormément de choix, putain, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est stylé, mais c'est incroyable. Il y a tellement de choix, là on est passé par-dessus la porte qui était fermée, on va pouvoir l'ouvrir. Ce qui va créer un raccourci. Regardez bien, j'ai rarement tort. J'ai totalement tort. Eh ben non, raccourci débloqué. Par contre, on va fouiller, bah vous savez quoi, on va fouiller le hangar alors. Il y a peut-être un coffre, putain, il y avait une grotte à droite, je sais pas où aller. Oh, dites-moi quelque chose. On va faire la grotte, je suppose qu'il fallait passer par cette grotte. Hop, on va aller fouiller là-dedans. Bonjour, madame, messieurs. Y'a rien. Tiens, mon frérot. Qu'est-ce que c'est? Caisse de stockage, très bien. Merci à toi, en tout cas, ça fait plaisir, BD1. Hein. Et ben voilà, un petit poncho. Hey. Ça serait cool. Quelque chose d'utile? Nouveau matériau de poncho. Bravo. Oh! Allez, on le met. On met le poncho qu'on trouve sur la planète. Dès qu'on trouve un poncho, vous savez quoi? On le met direct, ok? Ok, ça tire à balles réelles. À blaster réel. On a quelque chose ici.
Impossible. Eh hé, embêtant. Très bien. Oh la vache, il n'y a pas l'URTX là. Hein. Très bien. Bon, attends. Pas vu un coffre. On va aller dans la grotte. On va retourner à l'extérieur parce que de toute évidence, si je réfléchis de manière logique à un level design de map, n'est-ce pas, je pense qu'il faut aller explorer la grotte, puis revenir sur nos pas et après ouvrir le raccourci qu'on a déjà ouvert. Je pense, c'est comme ça que je fonctionne. Donc à mon avis, soit dans la grotte, il y a un petit bonus, ça serait cool. Soit il y a carrément... Oh putain, j'avais pas vu ici. Oh merde. Crotte, pardon. Oh, scanner. Eh, il semble trop peur. Il a pris sa part, hein, comme dans les films. Regarde. Comme dans les films, il sert pas à grand chose. Très bien, on va où? Ah oui, par contre, s'il a rapporté tellement d'XP, bientôt un nouveau niveau, c'est bon ça. On va aller dans la grotte. Désolé hein, pour les petits allers-retours, mais c'est vrai que les maps sont conçues de manière assez étrange. Et il y a quand même pas mal de liberté. Ça sent le boss. Ok. C'est trop stylé l'ambiance, j'adore. Oh. Je ressens l'écho. Écho, dis-moi tout. Let's go. Pleurs de bébé. Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Cachette. Ah. Ça, c'est très embêtant. C'est très, très, très embêtant. Ça veut dire que ici, il y a quelque chose. Oh oui, il y a quelque chose, bien sûr. Avec ça, personne Let's ne pourra... Let's go plus... 4 steams, voilà. Mon pote. Épisode 4, 4 steams incroyables. C'est ça de gagner. On crache pas dans la soupe. Merci, BD1. Toi, tu vas en vendre des jouets, mon petit BD1. Ok. Très bien. Nombre maximum de steam augmenté. Et si on descend, on meurt, je pense, non? Je vois quelque chose là-haut. Je vois un truc un tout petit peu plus bas. Non, je me suis trompé. Non, je me suis égaré. Ok, my bad. Allez, on va rentrer calmement, là. On voit vraiment rien, pour le coup. Hein. Si j'avais su qu'un sabre laser servait de lampe-torche, frère, c'est bien foutu, hein. Ok, et eh ben cette grotte n'était pas en vain. Vous voyez? Vous voyez, il faut penser, il faut se mettre dans la tête d'un level designer, tu vois. Il faut se dire à quoi il pense. Bon, c'est plutôt pas mal. On reviendra peut-être dans cette grotte parce que quelque chose me dit, vu la sortie là-haut, selon tout bon level design, doit y avoir un petit truc, frérot, tu vois ou pas. Sachant que j'ai déverrouillé le raccourci, en vrai, on peut direct passer par là. Merde. Hop, on va pas se casser les dents parce que c'est fait. Et dès qu'on trouve de quoi méditer, on médite. On se met notre petit point des familles. Et puis let's go, on continue un petit peu notre aventure évidemment. Regardez, il court un peu bizarrement, hein, je suis d'accord. T'en approches pas. Mais comment je fais pour récolter les données du coup? Juste. Vous voyez quelque chose? Je vois du mouvement en bas. Ne quittez pas des yeux! Tiens-moi que reviendra tout. Ferme là. D'accord? Respecte-moi un minimum. Encore un scan? Allez, vas-y, amuse-toi. Ok, attention, très bien. C'est ce qu'il y a écrit. Il y a écrit attention. On a quoi d'autre? J'adore ce jeu, vraiment. Je vais être très franc avec vous, j'adore l'ambiance. C'est Star Wars, ça nous fait voyager et tout. Je sais pas si c'est un let's play où je vais beaucoup parler. D'accord, pourtant Dieu sait que vous me connaissez, j'ai beaucoup de choses à vous dire à chaque fois. Mais je kiffe en fait, genre, vraiment. C'est bizarre. Ah, d'accord. C'est sûrement pas le jeu de l'année, on va pas se mentir. C'est t'as pas le meilleur jeu chose, du monde. Ni du mois, ni de la semaine, ni de l'année. Mais bordel. Nouvel émetteur obtenu. Oh, très bien, on verra ça un petit peu plus tard, je suppose. Mais je kiffe, en fait. Genre, voilà, est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas si on peut dire coup de cœur encore à ce niveau-là. Mais je suis en mode, ouais, putain, c'est... Ça me fait plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas vu de Star Wars. Et vous allez où? Les frères? Eh les gars! Tu veux te mesurer à nous?
Le découpage en règle. Allez, scanne-moi ça, régale-toi, frère. Bien joué. Scout Trooper. Oh, ça rapporte ma 6 XP, cette connerie. Allez, on ressent l'écho. Très bien, fais-le. Ok, ça... Pars avec elle. Je vais les éloigner. Ok. Costa, non. Donc les Stormtroopers, ils ont été séparés. Très bien. Oh, ils se sont fait dézinguer. Par contre, les mecs, ils m'ont pas vu, pas entendu. Y'a rien qui va. Ennemis en vue. Allez, bah, allez, let's go. Qu'est-ce que vous attendez? Faites quelque... Ah, arrête. Je suis pas sûr. Désolé, gros. Hein. Ça se jouera entre toi et toi. Alors, ça c'est fait. Je les ai désingués, évidemment. Quoi? Un vaisseau? Il y avait un truc qui me tracassait à droite. Juste ici. Donc on va y aller. On va viser les petites hauteurs comme ça, tu vois. On aurait pu faire des petits effets de surprise, qui sait. Ok. Ah, on aurait totalement pu faire un petit effet de surprise. Très bien. Bon, hey, pas besoin de surprise. On les a désinguer. Quoi? Vraiment un seul coup? Décevant, mec. Très décevant. Tu m'habitues à mieux. Hop, on a quelque chose. Ce ne sont que des mensonges. L'Empire voulait seulement ses terres. D'accord. Avis d'expulsion. Let's go, on continue. Mais j'adore l'ambiance. J'aurais peut-être dû le faire sur... Ok, bon, excuse-moi. Très bien, il y avait des avis d'expulsion un peu partout. Qu'est-ce qu'il a, l'autre, là, gueulé, là? Oh, Sugoi. Tiens, qui voilage? Eh bien, nous allons méditer, s'il vous plaît. On va non seulement récupérer notre vie, mais en plus de cela, s'accorder un point. Je pense que ce serait dommage d'en profiter, de ne pas en profiter, pardon. Arbre de compétences. Alors, on a pas mal de choses. Ralentissement amélioré. En chargeant le ralentissement, Cal peut ralentir sa cible bien plus longtemps. Attaque chargée. Cal charge vers l'avant et attaque sa cible. Sauter en chargeant pour effectuer un salto au-dessus de la cible. Frappe sautée. Les défenses de Cal sont améliorées, il subit moins de dégâts et sa jauge à sa jauge de garde. Ah, ça j'aime bien ça. Hein. On va prendre ça et après on va plus se recentrer vers le milieu de l'arbre de compétences. Voilà, au moins c'est fait. On est déjà à la moitié, donc en vrai, ça va le faire, pas de soucis. Même pas besoin de se reposer, les gars. On n'est pas à 10 HP. Par contre, ce qui m'embête, c'est d'avoir passé cette porte et de me dire que c'était pas fini. Il y avait des trucs un peu bizarres dehors, quand même. Ce serait dommage de pas en profiter. Calme-toi. Mais doucement. Et calmez-vous. Alors, les gars. Oh, putain, tranquille. Tout va bien se passer. Ah oui, mais messieurs, mais faut pas attaquer comme ça, voyons. Hyper dangereux, vous vous rendez pas compte. Pas un pour comprendre, hein, c'est terrible. Hein. Peut-être quelque chose là-haut. Hein. Pourquoi tu marches comme ça? Je ne suis prêt à... Attention. La conversation devait être drôle. La conversation... Pourquoi tu marches comme ça? Je me suis pris une branche d'arbre. Putain, fais chier, j'aurais pas dû les alerter. J'aurais bien voulu écouter. Ok, un petit coffre. Allez, let's go. Eux, ils ont rien compris. Okay. Ils sont à l'ouest. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Nouvelle poignée de sabre laser. Putain, je veux faire mon sabre laser. Je vais m'énerver. Hein. Je veux changer sa couleur et tout. Hein. On m'a dit que par contre, l'intelligence artificielle, pour le coup, il y avait pas mal de défauts. Ça dégage. Hein. Ça dégage. On va attaquer les autres par derrière. T'es lâche, mais c'est comme ça. Oh non! L'interconnecteur doit être réparé. Oh dur. Ça, je sais toujours pas c'est quoi. Hein. Peu importe la planète, frère. Comment ça va être embêtant. Hein. Ah! Ah! Et j'ai pas le truc pour ramener vers moi ou lancer mon sabre. Je sais pas ce qu'il faudrait.
D'accord, je manque d'un pouvoir. J'ai hâte de le débloquer aussi. On pourra retourner sur l'autre planète comme ça. Ok, là, je peux sauter, m'attraper aux lianes. Et il y a aussi quelque chose ici. Oh, c'est embêtant. C'est embêtant. Alors, laissez-moi regarder la carte. Notre objectif est où? Eh, mais j'en ai pas. C'est ça le problème. Je dois y aller jusqu'à trouver ma réponse. C'est ça la voix de Jedi, il fait chier. Bon, c'est pas grave, on va avancer tout droit. Aucun problème. On va pas besoin de se reposer, On est des machines. Let's go. Tant qu'on n'a pas trouvé nos réponses, on va rester sur cette planète, évidemment. On soit pas venu pour rien. Complexe de turbine. Embêtant. Très embêtant. Ah, d'accord, ok. Je suppose qu'en fait, on pourra... Ok. On pourra courir sur un mur à la verticale, à mon humble avis, si vous... Je sais pas si ça vous intéresse. Ah, je rigole tout seul, je me fais rire, les gars. Ah oui, je peux pas avoir vos réactions en direct, autant sur Twitch, c'est sympa. Tu peux avoir les réactions des gens en direct, mais autant là, bon bah voilà, faut bien que quelqu'un me fasse rire. Donc c'est moi-même. Allez, go. Hé hey. T'as trouvé quelque chose, BD1? Très bien, nouveau matériau pour sabre laser encore et encore. Again and again. Oh, pas grand-chose. Très bien. Ah, peut-être quelque chose. Voilà, lumière. Et ben voilà, c'est beau ça, de la lumière. Ça, quel plaisir. Oh, Sugoi. Oh bah, dis donc. Ok. Il m'a mis cher. Alors attendez. Très bien, moi je sors de là. Ok. Allez, je prends. Oh la vache. Pas cool. Pas cool, j'ai dit. BD1, Steam. Allez, ça dégage. Embêtant. T'imagines, t'as plus de force ici? Ça serait très embêtant. Allez, let's go. Je crois qu'on a un problème. Wow! Wow! Pardon. Merci! Allez, scanne-moi ça. Ok, un filac. Et on a bientôt... Oh, nouvel objectif. Très bien. Tiens. Ah, j'ai faim. Ça nuit à la qualité de ma posture et de ma visée. Ça m'étonne pas. Ils sont radins sur les rations ici. En tout cas, faudra pas s'étonner si je rate ma cible. Ah, un intrus ? Wow! Vite, finissez-en! On a le dessus! Non! Chaud, mon pote! Ok, let's go! Ça me plaît de la difficulté. J'en veux, j'en avais besoin. J'étais en manque de difficulté, tu vois. Bon, par contre, face à un lance-roquette, je vois pas comment tu peux renvoyer une roquette. Elle est obligée d'exploser, finalement. Donc je sais pas trop comment gérer un peu cette situation de crise économique de Stormtrooper. Ok. Eh bien, on doit refaire tout le chemin. Très très bien. J'avais bientôt passé un niveau, il y a intérêt que je récupère très très vite mon XP. Surtout que c'est le mec aux roquettes qui m'a tout volé, cet enfoiré. Bon, j'ai mes 4 snips, c'est pour la bonne nouvelle. Donc j'aurai toujours de quoi me soigner. Donc on va bombarder comme Jaja. Allez, go.
Par contre, c'est chiant de refaire toujours... Bon, c'est bien, c'est punitif. Clairement, le jeu est punitif, je trouve. Mais quand même, ça chicote. J'espère que t'es prêt. Oh, je suis un monstre. Oh, je suis un monstre. Mais quel monstre. Ouah. Ah, je l'avais oublié, lui, hein. Fallait qu'il vienne. Je l'avais totalement oublié. Embêtant. Let's go. Allez, reviens là, mon bot. Il m'en faut un. Oh la vache. Ferme-la, tu gonfles. Un steam, BDA. Merci. Ça aide. Un steam. Bon. On les désingue. Désolé de vous refaire. Jedi, attaque la mais arrête, frère! T'es fou ou quoi? Let's go! Sale fou, va! Complètement malade, toi, hein! Scanne-moi ça, là, cette merde! Putain! Oh, je suis dans une sauce! Un truc, c'est chaud. Bah voilà, Einstein, c'est pas bien. Désolé, hein, je parle pas parce que je suis très concentré. Hein. Là, les gars, je suis comme le lait. Pas évident, ça. Let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, prochain point de méditation. Petite save. Oh wow. Qu'est-ce qu'on a là? Ça doit être un des défauts. Je crois qu'on est sur la bonne voie, BD. Hé, à la preuve. Ah. Ah oui. Ça fait bien pas. Il est trop fort. Ah. C'est pas vrai. J'arrive à renvoyer les tirs, mais des fois je vous cache pas que c'est tendu, mon pote, tu vois. Allez, let's go. Commandant Stormtrooper. Lui, il est totalement sourd. Il voit rien, gros, y'a rien qui va. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Oh, raccourci. Ah ouais. Raccourci. Raccourci. Mon ami, au cours des rotations depuis que j'ai quitté Bogano, j'en ai appris plus sur les effets que je ne l'aurais cru possible. C'est tout? Très bien, bah merci, écoute, on est super content de le savoir. Ça! Quel plaisir. Ah! Putain, et j'ai même pas vu qu'on pouvait aller à droite, MDR. Très bien. Bien, j'ai même pas vu. Et ben voilà. Ça, ça fait plaisir. Un petit truc pour méditer, par contre, ça serait pas trop. Voilà, juste pour que je me mette mon petit point de compétence, ça me ferait plaisir. Beaucoup de choses me feraient plaisir, finalement. Ici, contact salut. Ennemi. Comme si j'avais besoin de rompre, c'était ta dernière erreur. Aïe. Ok. N'essaie pas de m'échapper.
Non. Je voulais le démonter, mais je me suis dit, il n'en vaut pas la peine. Ok. Voilà. Monument érodé. Ça, c'est fait, ça, mon pote. On a l'intrus. Bien joué. Va-t'en. Lâche pas ton blaster. J'y vais. Le Jedi est faible. Finissons-en. Foutez-moi la paix. Oh, j'ai plus de steam. Catastrophe. Allez, en route, Bédia. Allez, on est bon, on va s'arrêter là. N'oublie pas de laisser un commentaire. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, en tout cas, je peux te dire, mon petit pote, bah, qui m'a plu. On va s'attribuer notre point de compétence. À très vite. Et on va prendre, je vous l'ai dit, hein, j'ai qu'une parole, le point du milieu. Et puis on va avancer petit à petit dans l'arbre. Aucun souci. À très vite, portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao. Et cette attaque est très stylée.